c'est Ba Alpha Omar, connu sous le nom de Alpha Omar Préziba, coordinateur du Forum guinéen pour des actions citoyennes, président de l'ONG Nouvelle Génération pour le développement de l'INSANG et le candidat de l'Alliance des organisations des jeunes de Guinée. Vous êtes candidat pour être membre du CNT. Tout à fait. Alors vous venez de déposer vos dossiers de candidature. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à se présenter? Ok, ce qui m'a motivé, et suite à une longue réflexion et une large concertation avec plus d'une dizaine des organisations, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, j'ai décidé de me présenter afin de défendre la couleur de l'organisation, de l'ensemble des organisations des jeunes qui m'ont présenté. Ce qui m'a motivé de plus, c'est que j'estime remplir les critères exigés par le département. Et deuxièmement, j'ai bénéficié de la confiance de beaucoup des organisations des jeunes de Guinée, des jeunes leaders. Et encore, j'ai confiance en moi. Allez-y, madame. Si vous avez une question. Qu'est-ce que vous comptez apporter une fois au CNT? Ok, ce que je compte apporter au CNT, d'abord, c'est de veiller à ce que le Conseil national des jeunes soit mis en place. Car vous n'êtes pas sans savoir, depuis que la salle de la transition annonçant les 7 postes représentatifs au niveau des jeunes, il y a eu une floraison de plateformes, de forums, tout ça parce qu'il n'y a pas une structure fêtière. Donc une fois au CNT, je vais apporter et adopter une loi qui vraiment est le mode de fonctionnement du Conseil national des jeunes de Guinée. Parce que si on a une structure fêtière, je pense que ça serait mieux à ce que les jeunes soient organisés. Donc une fois au CNT, je ferai en sorte que le CNJ, Conseil national des jeunes, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali, soit mis en place. Et ça, c'est un deuxième. Je veillerai, je défendrai la couche juvénile tout à fait. Car vous n'êtes pas sans savoir, la couche juvénile aujourd'hui est la plus exposée. Donc je ferai en telle sorte que toutes les lois et tous les traités et conventions qui favorisent vraiment la couche juvénile soient vraiment exécutées au sein du CNT.